Gagnon, c'est Mario qui mourit assassiné. Gagnon, c'est petit garçon qui mourit assassiné. Gagnon, c'est petite fille qui mourit assassiné en dans cité soleil. Gagnon, c'est soeur, c'est frère qui mourit assassiné dans cité soleil. Et ça qui est clair dans le témoignage victime, yo, yo identifié qui est ce qui fait massacre là. Vous connaissez, c'est M. Jimmy Cherizier qui est non jouet li, non vaillant barbecue, qui était dans la tête, on bande l'autre groupe gang dans Cité Soleil, qui rentrait dans Brooklyn, qui rentrait au Rap Jérémy, qui rentrait Pont Rouge, qui massacrait la population, hein, parce que Genève et Allié, qui est dans la tête li, M. Barbecue, qui travaille pour Jovenel Moïse, ils ont besoin de prendre contrôle. Tout quartier populaire, il a besoin de prendre contrôle. Tout côté qui gagne monde, il a besoin de prendre contrôle Cité Soleil pour être capable de continuer empêcher peuple haïtien revendiquer droit, pour être capable de continuer empêcher peuple là sortir dans la rue pour demander procès pour Caribé, pour demander transition, pour demander démission Jovenel Moïse, pour demander pour justice faite dans massacre la Saline, dans reste massacre qui fait dans quartier populaire. Je dis à en tant qu'avocat victime, nous avons déjà commencé à préparer plainte. Ça fait plainte pour déposer. C'est parce que nous avons une enquête qui a fait dans l'inspection générale de la police. Parce qu'on est RNDDH dans le rapport là. Il a expliqué qu'il y a 5 machines blindées de la police qui participaient dans le massacre de la population. Il y a 5 machines blindées de la police qui aidaient barbecue avec les chefs gang massacrer la population dans la Cité Soleil, dans le Pont Rouge, dans le Rap Jérémy. Alors nous-mêmes nous disons, nous avons une enquête, inspection générale la fini, pour nous capables de voir qui est-ce qui te prend la machine blindée de la police, bail barbecue pour assassiner le peuple là, qui est-ce qui t'a conduit la machine blindée de la police, pour nous capables de connaître qui monde pour nous mettre dans la plainte là. Alors nous déjà prêts pour nous assumer la responsabilité. Nous. Comme avocat qui a supporté les victimes. Moi, lancé un appel à l'OPC, Office Protecteur Citoyen. Je dis à l'OPC, supportez mon saïo, mon Cité Soleil, les victimes. Parce que le procès après le printemps, le procès après le long, mais les victimes n'ont pas de caille pour être aujourd'hui. Ils ont besoin d'accompagnement dans l'institution qui a défendu le monde. Quitte ces institutions, l'État, quitte ces organisations non gouvernementales, organisations de droits humains. RNDDH, déjà, il y a un pile de support. Je demande à l'autre organisation de droits supporter les gens. Les gens dans la rue à dormir. Les gens pas de manger. Grand bois pété fiel victime. Il faut que vous support. Les gens pas de voir les petits à l'école. Il y a des maris qui mourent. Il y a des petits qui mourent, qui sont sentis dans la mort. Il n'y a pas d'enterrer. En tant qu'avocat, je demande à l'organisation de droits humains. Je demande au PC pour porter support à les victimes. Et c'est ça que nous faisons conférence de presse. Nous faisons victimes venir pour être capables de voir les victimes. Mais ils là. Mais pas de parole, ils sont parlés. Ils expliquent qui ça vous a vivre dans le quartier populaire. Ils expliquent qui ça a vivre dans le Cité Soleil. Ça a vivre au Jérémy. Ça a vivre dans le Pont Rouge. C'est barbecue qui a marché assassiné Mounio. Massacre Mounio. Et tout le monde connaît barbecue avec Jovenel Moïse, c'est cocotte avec Figaro. Côté communauté internationale là, qui a une responsabilité pour défendre les valeurs cardinales des Nations Unies, notamment la question des droits de l'homme. Côté OPC, c'est pour OPC prendre responsabilité. C'est une institution d'État qui défend le droit de l'homme. Comment la police fait arriver dans une situation comme ça? Pour la police, à accompagner assassin, accompagner bandit, accompagner barbecue dans massacre peuple là. Toute question ça yo nous poser aujourd'hui là, en tant qu'avocat, nous pral prendre responsabilité non et moun ki victime yo n'a pas eu support, n'a pas eu accompagnement professionnel pour procès capable fait, mais la vérité c'est que aujourd'hui là moun sa yo dans misère, yo pas ka manger, yo pas gen caill pou rete, yo boule caill yo craser toute si économie yo, ça te gen ti commerce yo craser. Ils ont besoin d'accompagnement dans mes organisations de l'homme. Ils ont besoin d'accompagnement dans mes OPC. Parce que les gens ne savent pas qu'attendre un procès qui pourra le faire 3 ans, qui pourra le faire 4 ans, qui pourra le faire 5 ans. C'est ce qu'on appelle mesure d'accompagnement.
la notion de prise en charge des victimes, bon bonne organisation de la monde, c'est pour supporter les victimes. Quand organisation femme, parce que même victimes, là, y a toutes ces femmes. Bon bonne organisation femme dans le pays, il y a ces journées qui supportent, il n'y a pas occupé. Femme Cité Soleil, femme quartier populaire, femme La Saline, femme. Dans la troisième circonscription, Matissan, Fontamara, Kafou, Kap victime, en bas assassin. Côté organisation femme, bah yon support. C'est là que vous pouvez suspendre des femmes Jovenel Moïse. Alors, Jodia, nous pouvons prendre responsabilité nous. Et nous te menons nous là pour nous faire victime la parole. Parce que RNDDH fait rapport. Des organisations de l'homme qui fait rapport. Mais il fallait donner la parole aux victimes. Il faut victimes te paraître pour être dans qui est aïe. C'est objectif conférence de presse. Et en attendant, nous attendons l'inspection générale de la police faire rapport pour dire nous qui est-ce qui t'a conduit machine blindée de la police qui t'a aidé barbecue massacrer la population. Hein? Qui est-ce qui t'a baillé machine hein? Pour nous capables de déposer plainte devant le cabinet d'instruction pour justice capable de faire. Donc il y a conviction. Même gens pour ces Petro-Caribé a fait, même gens pour ces massacres La Saline a fait, pour ces tout, pour ces monde barbecue assassiné dans Cité Soleil. Nan wap Jérémy nan Pont Rouge, pour c'est ça à faire avant longtemps. C'est notre conviction comme défenseur indépendant des droits humains, notre conviction comme avocat professionnel. Mais Michel, par rapport à dossier passeport là, comment ça arrive? Je ne voulais pas mélanger les dossiers. Oui, ça va, clair. Comme tu m'as demandé qu'il faut déposer plainte ça ou guetter un réponse devant cabinet. Comme tu me fais la question, je te réponds rapidement. Justement. De quoi s'agit-il? Le 24 janvier 2020, mon passeport ayant été arrivé à terme, je me suis rendu à Pétionville au bureau de l'immigration pour solliciter un nouveau passeport. Et on m'a remis une fiche qui dit très clairement que mon passeport sera prêt le 8 février 2020. Un mois passé, j'ai eu un passeport. Deux mois passés, j'ai eu un passeport. Trois mois passés, j'ai eu un passeport. Tout le monde qui va faire un passeport, j'ai eu un passeport. Même le monde qui va te payer urgence, j'ai eu un passeport. Je me suis rendu à ce moment-là à l'immigration. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est l'homme arrivé, messieurs, dames, immigration, yo, a expliqué, oui, mais nous pas qu'à bon passeport là, parce qu'on est, tu as gagné une interdiction de départ, tu te prends compte où, en 2013. Je dis, waouh, mais de quoi vous me parlez là maintenant? Parce que en 2014, l'interdiction de départ a été levée par le juge Robelus de regretter mémoire. Un, deux, en février 2015, moi voyager aller aux États-Unis avec passeport moi et me remettre original ordonnance qui levait interdiction de départ là by immigration qui n'a au pouvoir. Troisièmement, en mai 2015, moi aller immigration renouveler passeport moi mais sous renouveler en mai 2015, il finit en 2020. Si en février 2015, moi parti parce que m'te gen ordonnance qui levait interdiction de départ m'baoul, ou pas capable en 2020 à parler d'interdiction de départ qui te prend en 2013. Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus d'interdiction de départ. Et deux, immigration t'a déjà renouvelé passeport en mai 2015. Et puis m'bral plus loin. Même si on moun ta gen une interdiction de départ, capable de dire pas qu'on doit mon passeport. L'interdiction de départ dit qu'on n'a pas le droit de quitter le territoire. Mais il n'a pas dit immigration pour ne pas avoir passeport. Bref, pour nous, c'est un acte de persécution politique. C'est un acte d'intimidation politique contre nous pour essayer de nous intimider, pour essayer d'intimider le secteur démocratique et populaire auquel nous appartenons. Et nous disons, il faut qu'un exemple soit tracé dans cette affaire. Et c'est pourquoi, comme la Constitution le permet, comme les lois de la République le permettent, je vais assigner le directeur de l'immigration par devant le tribunal compétent pour abus de pouvoir, abus d'autorité et violation de ma liberté d'aller et de venir, violation de mes libertés individuelles. M'a fait la justice condamner, monsieur.
m'a fait la justice sanctionnelle avec la dernière rigueur et m'a tout assis l'État en réparation. Et là, nous faisons ça, n'a tout tracé un exemple. L'État a suspendu passé citoyen dans tête. L'heure pour l'État respecter le monde. Pour que ça, aux États-Unis, en France, au Canada, l'État respecte les citoyens. C'est parce que citoyens ont un droit. Leur l'État n'a pas respecté le droit. C'est pour celle faire contre l'État, il fait l'État dédommager. Dans ce dossier bien précis, cela ne va pas se passer comme cela s'est toujours passé. Je vais assigner par devant qui de droit. J'ai déjà lancé la procédure. Depuis hier, il y a une sommation qui a été acheminée au directeur de l'immigration, monsieur comment il s'appelle, je ne connais pas son nom, il a un nom un peu difficile. Panchuli. Bon, je ne connais pas son nom. Je ne suis pas son père. Ce n'est pas mon problème. Et cette sommation a été notifiée également au ministre de l'Intérieur et au directeur général de la DGI qui représente normalement l'État en justice. Voilà, on a déjà fait ce premier pas et d'ici la semaine prochaine, ce dossier sera porté par devant le tribunal compétent. Le tribunal compétent en la matière, c'est le tribunal correctionnel. Bref, on va tracer un exemple et si c'est intimidation, ils ont besoin de faire un peu. Franchement, ils sont en train de perdre leur temps. Cela ne marchera pas avec moi. Je suis un combattant aguerri. Ça n'a pas qu'à faire un peu, ça n'a pas capable d'intimider. Mais sont victimes dans le soleil. Côté 26 mai, côté barbecue, Iska, mais Genève là. Entrez dans le soleil 17. Si le soleil bas 17. Sous terre. Et entrez. Le débat c'est quand nous, le fin débat c'est quand nous remettons 10 faits. Moi-même, côté de la caille, je suis couché à Marie-Marie, je suis voir balle dans les yeux, des doigts découpés. Nous tous net, tout perçu le soleil là, nous tous ensemble net. Côté nous tous sortons là, nous 6 petits, nous 8, nous 10. Nous là, nous dans le soleil. Nous allons côté pour nous arrêter. Si le commerce est gagné, nous allons entrer au bout de nous. Si le commerce est contre nous, au bout de nous. Nous ne pouvons pas nous laver dans le soleil, à Timounio, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire. Moi-même, qui ça m'a demandé, c'est justice pour Pepsi le soleil. Nous avons même pour l'autorité, nous avons passé pour nous passer, Pepsi le soleil, comme on a vu. Quand pour moi-même, il y a trois pièces caille pour moi sous terre. Il y a trois pièces caille pour moi sous terre. Je suis trois pièces caille, je suis acheté, pièce 6. Iska prend mezi quoi bandit yo mezi Genève la net li ramasse tout l'entrée en deux pièces 6 l'entrée en deux pièces 6 à tout quoi bandit yo li tout prend quoi bandit yo stap en deux pièces 6 li mette dehors dans caillou yo prend caillou mezi ça nous te gen dans cala au boté yo boté nous la gen dans la rue mais que mon parti moun bon côté me garder nous tout dans la rue net. Je suis Johnny Jean-Pierre, qui est dans la rue Maristo Shalom. Je suis Tibout Kop, Maristo Shalom. Nous sommes tous là dans la rue. Nous sommes dans l'autorité qui vient de dire un mot pour nous dans le soleil. Parce que moi-même, je vais commencer à me marcher si je ne vais pas côté pour mettre. Je ne vais pas manger pour me faire. Nous sommes dans la cité, nous sommes et en bas de la galerie, je vais dormir. Je vais venir dans la classe, je vais dormir dans la caille là. Vini dit la prêche Kali, bon, il est homme, il est en bas galerie, m'a dormi. Qui parfois met Kali contre porte parce que c'est diable. C'est là nous expliquer au problème nous. Il est obligé chaque soir, nous prenons la rue, nous chita à Timounio, il est obligé de quitter nous, accepter nous, dormi, en bas galerie. Mes amis, pour autorité, on t'a passé dans cette situation, comment on a vivre. Parce que pour jusqu'à ce jour-là, nous avons campé sur tête et Kim. Dans cité soleil, il y a vu des balles, mon Dieu prend balle dans la tête, balle dans la tête. Pour jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu que c'est victime qui prend balle. Mon cap mourir. Mes amis, nous ne sommes pas capables encore. Nous ne pouvons pas dire que c'est soleil, c'est coup. Nous sommes trop pour nous.
Nous pas qui ça pour nous prendre encore, nous pas qui ça pour nous dire encore. Parce que nous pas qu'à manger, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire. Joie nous est là, grand pour qu'à péter fiel nous, grand pour qu'à tirer nous. Grand pour qu'à tirer Pepsi, Cité Soleil. Nous avons toute autorité au vin passer ouais.